Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue une de cette semaine. Le voyage en Corée a été fructueux, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État, Hassan Ouattara, à son arrivée à Abidjan après avoir participé au sommet Corée-Afrique la semaine dernière à Séoul, selon le président de la République, qui est cité par Fraternité Matin. Ce voyage qui aura permis de revisiter les relations entre la Côte d'Ivoire et la Corée augure de lendemains meilleurs pour nos deux pays. Falsification de documents, faux et usage de faux, les auteurs seront désormais, doivent être plus sévèrement réprimés désormais. C'est la recommandation faite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, aux procureurs généraux, procureurs de la République et substituts résidents. Selon notre voix, c'est dans une circulaire adressée récemment à ses services que le ministre Sansan Kambilé leur a demandé de recueillir désormais le maximum de la peine prévue par le code pénal dans les dites affaires. Pour la sécurisation des élections à venir, nous ferons face à tout désordre. C'est la déclaration faite par le commandant supérieur de la gendarmerie récemment à la cérémonie d'ouverture d'un séminaire consacré à la revue et à l'opérationnalisation des axes d'effort 2024 de la maréchaussée. À cette occasion, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a félicité l'engagement de ses hommes à œuvrer pour la sécurisation du territoire et les a invités à garder le même niveau d'engagement pour les échéances électorales à venir. Et puis, rien que des buts, c'est ce que Supersport demande aux éléphants de Côte d'Ivoire à l'occasion du match qu'ils vont jouer face au Kenya demain. Selon le confrère, après avoir vaincu le Gabon vendredi dernier à Korogo, une victoire face au Kenya permettrait à nos pachydermes de refermer en beauté cette fenêtre FIFA. Coup d'envoi de la rencontre demain à 11h30, temps universel au Bigou National Stadium de Lilongwe. C'est la capitale du Mali. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Merci beaucoup Renaud, bonjour. Comment ça va? Bonjour Joël, ça va super bien. Très très bon début de semaine. Pareil à vous avec les couleurs de la SEC Mimosa. Comment? Pareil à vous aussi avec les couleurs de la SEC Mimosa. Ben oui, normalement un bon BT c'est l'Africa, mais moi je fais l'exception comme Gadji Sely.